Dans ma testée, si ce que j'ai acheté fonctionne, donc on voit que c'est à peu près la même taille. Donc rouge, noir et blanc, ça fonctionne bien. Donc ça, cet achat, il est pas trop con. Par contre, l'achat de merde, c'est celui-ci. Alors en fait, la plaque, elle était complètement décollée et recollée d'une autre manière, donc j'ai dû la décoller. Et comme ça tient pas parce que j'ai pas d'agu, j'ai dû mettre du scotch. Et en fait, c'est moche. Tout est rayé, machin. Je vais voir si ça marche, mais ça faudrait que je le revende parce que là en fait si on veut nettoyer, après le noir s'enlève. Et là le gris, le marron dégueulasse, si on nettoie, ben en fait on voit plus rien écrit. Par contre. Vous ne deviez pas changer vos fenêtres pour améliorer. Bon ça va, elle marche. Alors ce qui est con, c'est qu'on a que FM. On peut pas choisir entre... Attendez. Ah oui, on peut choisir entre FM et Géo. Et donc ça... Ça c'est bon pour moi, ça ce genre de son. C'est... Alors après il y a marche auto, après voilà, sommeil, ça c'est marche. Donc 2 euros ça, c'est un peu con. Elle marche, mais bon. C'est pas le meilleur achat. Après, alors l'appareil photo, c'est pas non plus très très grave, mais... Je vois qu'il a eu un petit renfoncement ici, un petit coup, ce qui fait qu'il est renfoncé. Voilà, bon, c'est pas grave, mais bon. Donc maintenant, on va tester ça. Donc là, la DSI trouvée dans les poubelles. Ça m'a l'air d'être le bon truc. Bon, déjà, c'est pas un achat con. Voilà, donc ça va, j'ai acheté le bon. Maintenant, on va brancher et on va voir. Ça s'allume, c'est bon. Hop. Power. Donc on va comprendre pourquoi les gens avaient jeté leur console. Alors peut-être qu'elle n'est pas assez chargée, c'est pour ça que là que c'est en jaune. Donc pour l'instant on va charger et on va tester ça, l'adaptateur. Donc j'ai plusieurs prises chez moi. Ça s'allume, c'est que ça marche. Bon, écoutez, il n'y a que le radio. J'aurais dû l'acheter à 1€. Alors j'ai ça aussi à tester. On va tester. Alors dans le vinyle celui-ci, il y avait ça de caché. Et ce sont les Popples. Les Popples sont arrivés, je sais pas si on voit. Saki, Pascal Ouria, le Mattel, Jacques Marouani, Production. Et ça je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Voilà, on va tester les vinyles. Hop. Quand même cool d'avoir eu l'adaptateur secteur. Ah, ça s'allume. Ouais, c'est éteint dessus parce que c'est pas assez chargé, mais au moins c'est allumé. Donc on va commencer par Don Diori avec ça. Alors ça on tourne. C'est bon. Ampli Macintosh qu'on j'ai eu pas gratos, oui j'ai eu gratos. Par contre oh putain le vinyle il bouge bien. Là le vinyle il est tout gondolé. Ok.
Yeah, c'est de la disco. C'est 1978. C'est moins pire que ce que je pensais. Après, ça dépend qui va chanter. Rob King et Lion Rich. C'est bon. 1 euro. Oh yeah. Yeah, yeah. J'ai pas vu, c'est un crocodile. C'est un crocodou. Yeah. Par contre, le vinyle, il est bien gondolé. Et maintenant, on va tester Brother Louis. Alors. Hop. Ce qui est marrant, c'est que dans les démos, en fait, c'est le blond qui chante aussi et il chante faux. C'est ça qui est fort, mais il y va à fond. Alors, Brother Louis. Attention, ça rigole pas. Là par contre le vinyle a l'air droit. Il gondole pas trop. Alors, ma table n'est pas droite, ce qui fait que ça penche un peu. Va falloir que je remette à niveau. Attention. Oula. Ça crachote, fait chier. Wouhou. Yeah, yeah. Love is a burning fire. Cause then the flames grow higher. J'aurais pu mettre les paroles, hein. Don't let him steal your heart. It's easy. Easy. Alors, attendez, ce qui est bon, c'est la face B, il y a Atlantis is calling, ça c'est, putain, Atlantis is calling, ça c'est du bon. Ouais, c'est bon. Alors, on renettoie. Ça, ce truc à la con, c'est quand j'étais petit, je m'en souviens, et j'ai bien fait de l'avoir retrouvé. C'est magique. Alors, Atlantis is calling. Attention. Ah, ça rigole plus. Là, c'est le Brother Louis, c'est bon, mais alors ça baisse le game. Avec le solo de guitare. Les deux écrans sont pas cassés. Pourquoi les gens ils ont jeté? C'est pas possible. Dans la phase B. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont pas. Ben, ce qui est bien, c'est que la face B, ils n'ont pas trop écouté, ils ont écouté que la face A. Même si là, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Bref, ça marche. Donc là, on va tester. On va mettre le jeu Pocoyo. Et ça me fait une console DSi ben, à 2 euros, puisque j'ai juste eu à acheter l'adaptateur secteur. Donc les gens ont jeté une console. En plus, il y a les appareils photo. Et on va tester Pocoyo. Alors, on va augmenter le son. Bon, il y a des photos de gens qui avaient. Ça, on va le virer après. Pocoyo! Wouhou! Je fasse une review de merde. Impossible d'accéder. Je m'en fous. Je peux pas accéder. Non, on a pas. Je veux juste le jeu. Parce qu'ils nous mettent accéder aux données, mais moi je veux pas de données, je veux juste jouer au jeu.
On peut pas jouer au jeu, c'est pour ça qu'ils l'ont jeté. Téléchargement, paramètres de la console. Moi, je voudrais tout remettre à zéro. Voilà, pseudo. Ah bah, Léna, tiens. Ben, Elmo. Ah, mais si j'avais le... Ok. Elmo. C'est tout. Formater la console. Ah, j'ai peur. Formater la console. Oh putain. Si on peut... Je comprends pas là, pourquoi on n'a pas accès. On peut juste avoir accès au jeu. Quoi? Fait chier! Fait chier le mec! On va tester le jeu que j'avais trouvé dans les poubelles avec Madagascar. C'est bizarre leur truc, c'est chelou. Madagascar, allez, balance la purée. Non, bah alors, soit c'est le jeu Pocoyo, ils m'auraient vendu un jeu qui marche pas. Fait chier. Non, mais la console. La console marche, les écrans sont nickel. Bon, bref, c'était pour tester. Pas tout compris, mais bon, pourquoi Pocoyo marche pas, fait chier. J'avais zappé les Popples, alors c'est Barbelivien. Donc ça va être du bon, si Barbelivien s'y met. Hein. Putain, ce truc est pas droit. Les Popples. Quand j'ai pas la pochette. Les Popples sont arrivés. On va voir au niveau des paroles, c'est Barbelivien. Les Popples sont arrivés, cachés sous un oreiller. Aïe. Les Popples sont quelquefois dans une chaussure, pourquoi pas. Méfiez-vous, ils sont pas. Tout. Ils sont chez nous. Tous les Popples avec nous. Ok, bah, c'est pas sa meilleure. Hein. Hop, alors ce qui est bien là, avec ce système Torrents, c'est qu'on soulève et hop. Bon, là pour le coup, c'est fini. C'est bon, il marche. Putain, c'est bon. En fait, j'ai effacé la mémoire de l'appareil photo qui était plein. Et maintenant, ça marche. Touche l'écran. Putain, en plus c'est les mêmes musiques. Pop 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 poète. Le son est pas fort. Hein. Adventure. Voilà, les accos. Voilà. On va effacer, c'est le petit, il savait pas quoi faire. On va tout effacer. Déjà la musique c'est bon. C'est pour le jeu est pour moi. Nuevo. Alors. Elmo. Alors lui c'est Eli. Il s'appelle Eli. Hein, j'invente rien. L'autre c'est Pato, parce que en espagnol ça veut dire Pato. Le canard, ça se dit pato, le début. T'es assez beau. Le chien, je sais pas comment il s'appelle. Salut, Pocoyo. Par contre, c'est pas la voix off de Eric Préjean. Ça, j'aime pas. Salut, bébé araignée. Mais non, bébé. Moi, je voulais Eric Préjean. Bébé araignée, je connaissais pas, j'ai jamais vu. Hein. C'est une exclusivité dans le jeu.
C'est la même qualité de. C'est la même qualité d'animation que dans la série. Bon, c'est quand que le jeu il commence? L'arbre a disparu. Mais merde, attention, fais ce gaffe. Feutre a des pouvoirs magiques. Ça, c'est beau. Et maintenant, que fait-on du feutre? Oh putain, c'est un point and click. Bravo! C'est beau, hein. Ouais, Je c'est que. crois que Pocoyo veut que tu utilises le feutre Ok, magique. c'est QTE. C'est des QTE à la Resident Evil Village, hein. Ben, je fais quoi, moi? Oh putain, le jeu est trop dur pour moi. Bien joué! Ok. Oh putain, c'est beau, hein. Relis les points, quoi. Ok. J'ai bien compris. Oui, bon, après. Poète, poète. Oh putain, c'est beau. Une piste de danse. On l'a fait apparaître grâce au feutre Bien magique. joué. Oh putain. Je n'aime pas ça du tout. Ça bouge, fais gaffe, ah putain. Mais où sont partis nos amis? Nous devons les trouver. Allons-y. Allez, vas-y, c'est allons-y, allons-y. Pour voir une indice, point de lune sur doigt l'oiseau. Ah, dodo l'oiseau, ok. C'est dodo l'oiseau. Dodo l'oiseau. C'est bon. Ok. Putain, il y a des mini-jeux dans le mini-jeu, c'est impressionnant. Cette piste de danse nous a Allô? envoyés sur une île. Cherchons nos amis. Putain, les ellipses, ils sont pas Sont-ils chers. par ici? Allô? C'est Pato qui était au bout du fil. Ne t'inquiète Et pas, voilà, j'ai on bien va venir te reconnu. chercher. Ok. Ah voilà, il va toucher le ballon. Et arrête de souffler, c'est où que je souffle? Putain, ça marche en plus, il y a un truc de souffle. C'est où là? Ah oui, c'est le micro. C'est Bien bon. vu. Ça, c'est du jeu. Le cloud. Je sais pas le rapport avec la clé. Waouh! Bien joué, bravo! Très bien. Bah, c'est comme dans Super Mario putain. Sunshine, oui, Super Sunshine ou. La plage. J'arrive! C'est la voiture de Pocoyo. Putain, c'est le jeu de On cartes. dirait qu'il lui manque une roue. Et merde, elle est cachée là, la roue. Elle est cachée là. Relis les points. Oh putain. Pouet pouet. Bien joué, ça Super. c'était Bonne super. idée. Vroom vroom. Putain, il faut faire bon rond dans le truc. Ok. Attention. Vroom vroom. Allez, vroom. Tu pas. Ça marche. Putain, il y en a des trucs dans le jeu. Bon, ben, je vais arrêter là. Hein. C'est juste pour vérifier que la console marchait. Tout ça pour ça, quoi.
Alors, est-ce que l'écran est plus grand qu'un écran de DS? Ouais, c'est plus grand d'un millimètre. Waouh, c'est moderne. Et les gens, ils ont acheté ça en plus. SDO. Ha 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 ha